L'association se situe à Shepherd's Bush Market. Les migrants s'y retrouvent, notamment ceux provenant d'Afrique de l'Ouest, pour regarder la télé en arabe, partager un repas, échanger des infos. C'est ici que nous avons rencontré Sofiane, un Soudanais de 22 ans, arrivé en Angleterre il y a 6 mois. Je suis parti de Calais avec tous ces gens qui voulaient rejoindre l'Angleterre. Là-bas, il y avait beaucoup de problèmes, aucun endroit pour dormir, pas de nourriture. On me disait, quand les gens arrivent en Angleterre, on leur offre plein de choses. Je suis monté dans un train en marche, j'ai tenté ma chance 4 fois, et la 5e, ça a été la bonne. Une fois en Grande-Bretagne, Sofiane n'est pas déçu. Quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite vu la police. Ils m'ont interrogé, puis ils m'ont emmené dans un foyer à Birmingham. Là, j'ai fait ma demande d'asile et j'ai eu mes papiers en 2 mois. Sofiane est fier de nous montrer qu'il sait écrire son nom en anglais et même dire quelques mots. How are you? How old are you? What's your name? Aujourd'hui, il est entièrement pris en charge par les pouvoirs publics. Il vit dans un foyer où il a sa propre chambre. J'ai une chambre avec un bon lit, tout est beau et propre. Il a aussi droit à une allocation de 72 euros par semaine et surtout, il suit un programme, 5 heures de cours d'anglais 4 fois par semaine dans cette université.